الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحمد الله أكرم الأكرمين الجواد رب العالمين الذي من علينا فأدركنا شهر رمضان ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى تحقيق التوحيد في هذا الشهر وفي غيره كما أسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته Remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue pour ses nombreux bienfaits. Et un des grands bienfaits par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, c'est le fait de nous garder en vie afin d'atteindre le mois de Ramadan. Ce mois qui est le meilleur mois de l'année. Ce mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer, et où les diables sont enchaînés. Donc c'est un grand bienfait. Et beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas pu atteindre ce mois. وكان أمر الله قدرا مقدورا فالله هو الذي يمد في الأعمار يحيي من يشاء ويميت من يشاء وله الأمر كله الله سبحانه وتعالى est celui qui donne la vie à qui le veut et donne la mort à qui le veut. Il allonge la vie de celui qu'il choisit et reprend l'âme de celui qu'il choisit. Subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être vivant pour adorer Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan, un mois de plus, c'est un grand bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car tu vas ajouter à tes adorations d'autres adorations, à tes prières d'autres prières, à ton jeûne d'autres jeûnes. Et Inch'Allah Ta'ala, beaucoup d'istighfar, de demande de pardon pour tes péchés et un repentir sincère. Afin de sortir de ce mois avec la sagesse pour laquelle le jeûne nous a été légiféré, taqwallah azza wa jal, la piété, le fait de devenir pieux, voici la sagesse pour laquelle Allah a légiféré le jeûne de ce mois. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ou vous qui avez cru, on vous a enjoint de prescrire le jeûne de Ramadan, tout comme cela fut le cas pour ceux qui vous ont précédé. Peut-être attendrez-vous la piété. Et le sujet de nos assises durant le mois de Ramadan sera Qisasul Anbiya, Qisasu Ba'dil Anbiya alayhim as-salam. Et le sujet que j'ai choisi pour ces assises du mois de Ramadan sera l'étude de la biographie de certains prophètes. Et avant
d'entrer dans la vie de Adam alayhi salam, qui sera le premier duquel nous parlerons. Nous allons citer une introduction qui nous sera profitable pour la suite, inshallah ta'ala. Et avant cela, ces assises ne doivent pas servir à faire passer le temps ou oublier la fin. نجلس في هذه المجالس نتقرب بها إلى الله عز وجل. La personne est dans cette assise, elle doit rechercher par cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit rechercher par cela l'agrément d'Allah, le pardon pour ses péchés, l'entrée au paradis. Et nombreux sont les textes qui nous montrent le mérite des assises de science et de l'apprentissage. Et sans aucun doute, le meilleur endroit pour faire cela est la mosquée. C'est l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أحب البلاد إلى الله مساجد. L'endroit le plus aimé d'Allah est la mosquée. Concernant les mérites des assises de science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إذا مررت بأرض الجنة فارتع إلى وما هي أرض الجنة قال إلى خلدك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque vous passez près d'un jardin, prenez-y place. Alors il lui fut dit: qu'est-ce que les jardins messagers? Il répondit: les assises de science. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a vu à la mosquée ses compagnons réunis. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ وَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قال جلسنا نذكر الله وما منا علينا من نعمة الإسلام وذكروا أشياء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا قال أما إني لم أستحلفكم تهمة ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي الملائكة سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu ses compagnons réunis à la mosquée, tout comme vous l'êtes, il leur a demandé: quelle est la cause de votre assise? Ils lui ont répondu: afin de nous rappeler et parler d'Allah, et nous rappeler le bienfait par lequel il nous a comblés en nous guidant à l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: par Allah, cela est la seule cause pour laquelle vous êtes assis. Ils ont dit: oui, par Allah, c'est la seule cause pour laquelle nous sommes assis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je ne vous ai pas fait jurer car j'ai eu un doute sur vous ou pour une quelconque accusation, mais Jibril alayhi salam est venu et m'a informé qu'Allah se vante de vous auprès des anges. Allah se vante de ses serviteurs auprès des anges. Plus énorme que cela, Allah azza wa jalla lui-même dans le Coran nous dit, comme nous avons entendu dans Salat al-Tarawih: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. Évoquez-moi et je vous citerai. Tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une assemblée, il parle de toi dans une assemblée meilleure que toi. فَهَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ. Voici un mérite qui a une grande importance et un effet dans le cœur des croyants. فَنَقُولُ إن الحديث عن العظماء والعلماء له مكانته في قلوب المؤمنين وله تأثير بالغ في نفوسهم فكيف بخيار الناس بصفوة خلق الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل عليهم
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هؤلاء اختارهم الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، واصطفاهم برسالته يدعون الناس إلى توحيده ليعبدوه وحده لا شريك له ولا يشركوا به شيئا. Lorsque nous étudions la biographie des grands qui ont marché sur la terre, des savants et des personnes pieuses parmi les plus prédécesseurs, on voit que cela a un grand effet dans le cœur des croyants. Et on ne se lasse pas de ces assises. Que dire alors si ceux desquels nous parlons sont les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'élite parmi les prophètes et les messagers. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour leur donner la révélation. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé en leur donnant de sa parole. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé au peuple et aux nations afin de leur rappeler ce pourquoi il les a créés. Et de les faire sortir des ténèbres, du polythéisme et de l'égarement, vers la lumière de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la science et de la guidée. Ce sont des exemples, les meilleurs des créatures. Et sans aucun doute, celui qui les prend pour exemple aura le meilleur comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'avec ses messagers alayhim salam, puis avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihamdillahi azza wa jalla, siratun madhkura wa mahfouza fi khayri kutubillahi munazzala, al-Qur'an al-Karim. Et parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il ait préservé leur histoire dans le meilleur livre qui a été révélé, le Coran. Et à étudier la vie des prophètes, il y a beaucoup de mérite dans cela et de bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite de cela dans son livre en nous disant qu'il y a des leçons à en tirer. Il nous montre également que cela nous guidera sur le bon chemin. Allah nous dit, après nous avoir raconté l'histoire de Yusuf alayhi salam, à la fin de cette sourate, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولكن تصديق الذي بين يديه أي القرآن وتفصيل كل شيء أي مما نحتاج إليه في ديننا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله nous dit, dans leur récit il y a certes, c'est-à-dire le récit des prophètes qui sont passés, une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est pas un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, c'est-à-dire avant le Coran. Un exposé détaillé de toutes choses, c'est-à-dire de ce dont nous avons besoin dans la religion. Un guide et une miséricorde pour les gens qui croient. Pour les gens qui croient, pas pour tout le monde, car ce sont eux qui tireront profit des histoires des prophètes et des messages. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالاقتداء بهؤلاء الأخيار. Sachez également qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de prendre exemple sur ces prophètes et messagers en nous disant أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. Voici ce qu'Allah a guidé. Emprunte la même voie. وقال الشاعر اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر قد ضلوا قوم لا يدرون الخبر. Et le poète dit, lisez l'histoire, car il y a dans cela beaucoup de leçons. Certes, se sont égarés des personnes qui ne se sont pas informées sur l'histoire.
En étudiant l'histoire des prophètes, ta foi augmentera, incha'Allah ta'ala. Tu en tireras profit énormément. Il y aura une consolation pour celui qui est triste. Et cela va raffermir celui qui a une faiblesse. Et cela va accorder la certitude à celui qui savait déjà. Et il y a dans cela un des plus grands signes de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du fait qu'il nous a raconté l'histoire de ceux qui sont passés avant lui, alors qu'il ne savait ni lire ni écrire. Ce n'est donc que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et comme Allah dit dans le Coran, il ne parle pas selon ses passions, ça n'est qu'une révélation inspirée. Allah nous dit également, وَكُلَّنْ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran que les récits prophétiques ont également pour but de raffermir la personne dans la religion. Celui qui lit l'histoire d'Ibrahim alayhi salam par exemple, et qui voit qu'il était tout seul contre tout son peuple, mais qu'avec la ilaha illallah, Allah l'a préservé, l'a défendu et lui a donné la victoire sur ses ennemis, n'aura plus peur de personne en dehors d'Allah azza wa jalla. Celui qui lit l'histoire de Moussa alayhi salam, et qu'il voit qu'il est avec son peuple faible et que derrière lui il y avait Fir'aun et son armée, lorsque Moussa alayhi salam est arrivé à la mer, il n'avait aucune issue. Mais lorsqu'il a placé pleinement sa confiance en Allah azza wa jalla, Allah lui a ordonné de frapper de son bâton la mer qui s'est ouverte et lui a pris un chemin. Subhanallah, celui qui voit ces signes d'Allah azza wa jalla n'aura plus peur de personne et saura que la bonne fin appartient toujours aux gens de la ilaha illallah. Celui qui voit le peuple de Houd, le peuple de Salih, et ainsi de suite, la force qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordée, et pourtant il les a tous humiliés lorsqu'ils se sont détournés du tawhid, verra que la chose la plus importante est de connaître Allah afin de l'adorer d'un culte sincère. Et quelle que soit la force de l'homme, il est voué à l'échec s'il ne se dirige pas entièrement vers Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. وَهَكَذَا فِي سُورَةِ خَيْرِهِ النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Celui qui étudie la vie des prophètes deviendra quelqu'un d'endurant. Car lorsque tu vois les épreuves qu'ils ont subies, subhanallah, l'épreuve de Moussa alayhi salam avec Fir'aun, l'épreuve de Yusuf alayhi salam, et ainsi de suite, tu vois que la bonne fin appartient à ceux qui sont endurants. Et lorsque tu vas voir les malheurs par lesquels ils ont été touchés, l'histoire de Daoud, de Ayyub, avec sa maladie, tu verras tous tes malheurs comme insignifiants dans ce bas-monde. Et parmi les plus grandes choses qu'on tire de cela, c'est que nous avons tous été créés pour adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Et on tire également de ces histoires la façon de faire da'wah, le fait de commencer par la ilaha illallah, d'appeler les gens à purifier leurs croyances, d'appeler les gens à adorer Allah d'un culte sincère, et on nous apprend dans ces histoires comment faire da'wah, par qui commencer, par quoi commencer, comment se comporter avec ceux qui nous prennent pour ennemis, comment se comporter avec ceux qui nous oppriment. Wa hakadha, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout appris dans le Coran. وإليكم الآن قصة آدم أبينا أبي البشر عليه السلام. Entrons maintenant dans l'histoire de Adam, notre père et le père de l'humanité. Certes, beaucoup peuvent se poser cette question, pourquoi nous avons été créés et quel fut le commencement de cette création des cieux de la terre. Est-ce qu'il y a eu un commencement? Et pour quelle sagesse tout ce que nous voyons, tout ce qu'on voit comme arbre, comme feuille, comme personne, comme animaux, pourquoi tout cela? أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى.
Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Coran en nous disant, est-ce que vous pensez qu'on vous a créé en vain? Est-ce que l'homme pense qu'on l'a créé en vain sans lui donner d'ordre ni d'interdit? Allah nous apprend dans le Coran pourquoi est-ce qu'il nous a créé en nous disant, وَمَا خَلَقُهُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Est-ce qu'Allah t'a créé parce qu'il avait un besoin? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala était seul alors qu'il a créé les cieux et la terre, puis les créatures, puis les hommes et les djinns avant cela? Non. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah nous dit à la suite de ce verset, pour réfuter toute ambiguïté sur la création de l'homme, je n'attends pas de ma subsistance, ni qu'il me nourrisse. Donc Allah n'a pas besoin. Allah n'a pas besoin. Il nous dit dans le Coran, إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Si vous sortez tous de l'islam, si l'ensemble des gens font preuve de mécréance, certes Allah est le riche, le digne de nous. Allah n'a pas besoin de nous, ni de nos actions. Mais il nous a créés pour une sagesse et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Comment connaître Allah? Comment connaître la religion qu'Allah agrée? Comment savoir le chemin qui nous mènera à l'agrément d'Allah? Comment savoir ce qu'Allah aime et comment le réaliser? Comment savoir la rétribution des bienfaisants? Comment savoir ce qu'Allah déteste? Comment savoir le chemin qui mène au mal et comment s'en préserver? Tout cela avec par l'intermédiaire des prophètes et messagers. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé comme cela. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, la nécessité devant laquelle sont les gens d'avoir et de connaître leurs prophètes et messagers est encore plus grande que la nécessité du corps ou bien que le corps a devant son âme. Tu vois comment tu as besoin de ton âme? Si elle se sépare de toi, tu meurs. Ben, tu as encore plus besoin des prophètes et des messagers que de ton âme. Bien plus que de manger et de boire. Sans les prophètes, tu ne peux pas savoir qui est Allah Azza wa Jal, ton créateur, celui qui mérite l'adoration. Sans les prophètes, tu ne peux pas savoir comment l'adorer pour avoir son agrément à l'entrée du Jannah, comment te sauver de sa colère et donc de son paradis. Sachez, chers frères, que la prophétie, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne s'achète pas. Allah nous dit dans le Coran, Allah est plus savant d'où il met le message, et où il fait descendre son message. Les kuffar Quraysh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu avec le message, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas fait descendre cela sur une personne des deux grandes tribus? Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide et choisit. Le nombre des prophètes et des messagers était très important. Allah nous dit en Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez que Allah, éloignez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Ajoutez à cela que les prophètes, avant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était envoyé à leur peuple tout particulièrement. Ça n'était pas un prophète pour tout le monde, mais un prophète par communauté. Donc il y a autant de prophètes que de communautés. « Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir » Il n'y a pas une communauté sans qu'elle n'ait reçu d'avertisseur. Et dans le hadith d'Abu Dhar, عند Ahmed rahimahullah ta'ala, wa radiallahu anhu abida, Abu Dhar a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien était le nombre des prophètes, ou bien combien était le nombre des messagers, lui a répondu, un des prophètes, 314. Dans une autre riwaya, 15.
Et on est aux alentours de 314. Donc c'est un grand nombre. Et 124 000 pour Mahda, pour les messagers. Ou bien le contraire. Et il y a une divergence sur les 124 000, sur l'authenticité du hadith. والإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. Et la foi aux messagers est un des six fondements de la foi. La foi en Allah, la foi aux anges, aux livres révélés, et le quatrième point, la foi aux messagers. La foi aux messagers. Donc c'est un des piliers de la foi, comme cela a été cité dans le hadith Jibril, alayhi salam. Les prophètes sont les meilleurs des hommes. Et les meilleurs des prophètes sont les messagers. Et les meilleurs des messagers, ulul azm, ceux qui sont doués de fermeté, qui sont nombreux de cinq. Et les meilleurs de ulul azm, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa hum yatafadhal. Ce sont les meilleurs des gens, et entre eux, il y a également des degrés. Des degrés par tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah Azza wa Jalla montre dans le Coran qu'il a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres. Il a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres. Mais en ce qui concerne la croyance, on ne doit pas faire de différence. En ce qui concerne la croyance, on n'a pas le droit de croire en une partie et de renier une autre partie. Comme l'ont fait les gens du livre et d'autres personnes. En ce qui concerne ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité en Coran, car certains on a eu connaissance de leur nom et d'autres on ignore leur nom et leur histoire. Taïeb, minhum man qasasna, wa minhum man lam naqsus alayk. On a cité l'histoire de certains au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres. Mada, il n'en a pas eu connaissance. Le nombre des prophètes qui ont été cités dans le Coran sont nombre de 25. Dans Sourate Al-An'am, à partir du passage Tilka Mada, Tilka Hujjatuna, on commence par parler d'Ibrahim, on a cité 18 prophètes. On a cité 18 prophètes. Taïeb. Et dans d'autres endroits, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Adam, il y a Idris, Hud, Shu'ayb, Zulkifl et Salih alayhi as-salam. Parmi eux, quatre sont des Arabes. Parmi les prophètes, quatre sont des Arabes. Qui sont-ils? Mayyudib. Adam. C'est moi un prophète qui est arabe. Ahsan, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ghayruk, un autre que toi. Salih, il y a un frère qui a dit Shu'ayb et Hud. Taïb. Hud, Salih, Shu'ayb et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous des hommes. Kulluhum dhukur. Ahrar. Ils sont tous des hommes, il n'y a pas de femme parmi les prophètes. Al-Sahih. Maryam alayhi salam, lorsqu'on a décrit dans le Coran le meilleur attribut qui lui fut, par lequel elle fit ses éloges, est Siddiqa. Siddiqa. C'était une vérité. Et c'est le niveau le plus haut après les prophètes. C'est le niveau qu'a atteint par exemple Abu Bakr. Siddiq, radiallahu anhu, le meilleur des vérités. Ils sont tous libres, il n'y a pas d'esclaves parmi eux. Ils habitaient tous, c'est tous des habitants des villes. Il n'y avait pas d'habitants des campagnes parmi eux. Il n'y avait pas de femme. Pourquoi cela? Car le fait d'être une femme ne va pas avec la prophétie, car le prophète a besoin de tout son temps et de se décharger dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et de supporter les épreuves et de se déplacer de jour comme de nuit et de voyager et de supporter les nuisances de son peuple. Alors que la femme a ses menstrues, elle peut tomber enceinte, elle peut être au service de sa femme et s'occuper de ses enfants, et ainsi de suite. Elle doit, yani, l'homme se mélange. Tayyib, wa hakaza. Donc il n'y a pas de femme parmi les prophètes.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. طيب الله عز وجل بك نيتدي يعني لزم كم رسل الرسل. Les prophètes ont des particularités. الأنبياء لهم خصائص. Ils ont plusieurs particularités. Parmi ceux-là, الإيحاء qu'ils reçoivent la révélation. Et le mot wahi, lorsqu'il est utilisé pour un autre qu'un prophète, ça n'est pas la révélation comme on l'entend ici. Par exemple, pour les abeilles, on a utilisé ce mot-là. Pour la mère de Moussa, on a utilisé ce mot-là. Mais ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. C'est l'irshad. Parmi leurs particularités, al-isma, ils sont infaillibles. Min al-shirk wal-kaba'ir wa mukhalafat al-muru'ah bi ijma' ahli al-'ilm. Parmi leurs particularités, c'est qu'ils ne peuvent pas tomber dans le polythéisme, la mécréance, ni dans les grands péchés, ni dans les comportements qui suscitent une honte dans leur peuple, par lesquels on pourrait les dénigrer. Voyez, ils sont exemptés de tout cela. Voyez, celui qui parle en mal d'un seul prophète, en disant par exemple qu'il a menti, ou bien qu'il a eu un mauvais comportement, ou bien qu'il a fait quelque chose de honteux, ou bien qu'il est tombé dans le polythéisme et ce genre de paroles, cela est de la grande mécréance. Le fait de manquer de respect à un prophète est de la grande mécréance. Les prophètes sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Il n'y a pas un homme qui est mieux qu'un prophète. Parmi leurs particularités, tanamu a'yunuhum wa la tanam qulubuhum. Ils dorment avec leurs yeux, mais leur cœur reste éveillé. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le recueil d'Imam Bukhari et Imam Muslim. Parmi leurs particularités, yukhayyaruna 'inda al-maut. On leur donne le choix au moment de venir retirer leur âme. On leur demande, comme cela a été cité dans le recueil d'Imam Bukhari et Imam Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cet état, il était auprès de Aïcha, elle a compris qu'on lui donnait le choix. Il a dit فالرفيق الأعلى, mais je choisis plutôt d'être élevé au plus haut. Sallallahu alayhi wa sallam. La yuwarithuna malan. Parmi leurs particularités, ils ne lèguent ni pièces d'or ni pièces d'argent. Ils ne lèguent pas de richesse. Ma taraku sadaqa. Ce qu'ils laissent est en tant qu'aumône. Comme cela a été cité dans le recueil d'Imam Bukhari et Imam Muslim. Ils sont tous des hommes. Ils sont tous parmi les habitants de la ville, min ahli al-qura, comme Allah Azza wa Jalla a dit. Hum akmal nasi khalqan wa khuluqa. Ce sont les meilleurs. Que ce soit dans le domaine physique, d'accord, physiquement parlant, ou bien dans le comportement, ce sont les meilleurs des gens. La da'watun mustajaba 'inda Allah. Ils ont une invocation qui est toujours invoquée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, et lui a gardé son invocation pour yawm al-qiyam. Et certains savants ont cité aussi la yahtalimun. Ils ne font pas mada de rêve érotique, car cela est une attaque du shaitan sur le fils d'Adam. Shaitan joue avec le fils d'Adam jusqu'à lui faire montrer de mauvaises choses et il se réveille en état de jenab. Cela n'arrive pas donc aux prophètes car ils sont préservés contre le shaitan. Les savants, c'est d'autres particularités. Une chose contre laquelle on met en garde les gens lorsqu'on parle des prophètes et des messagers, c'est le roulou, l'exagération. L'exagération dans laquelle sont tombés les chrétiens et les juifs, par exemple. L'exagération dans laquelle sont tombés les gens qui adorent les tombeaux et les saints. Taïeb. Certains ont exagéré sur Isa alayhi salam au point de dire c'est Allah lui-même. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Certains ont exagéré sur Isa au point de dire Isa huwa ibn Allah. Subhanallah amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah est purifié de tout cela et élevé bien au-dessus de cela. Comment est-ce qu'il aura un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Subhanahu wa ta'ala. Ils ont exagéré sur Isa au point de dire que c'est le fils d'Allah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah nous dit, c'est un Dieu unique. Dis, c'est un Dieu unique. C'est le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui dans toutes nos affaires. Il a la perfection absolue. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Allah n'a pas reçu son royaume par héritage. Et personne héritera après lui. C'est l'Ahad al-Samad Jalla wa Ala. Certains ont manqué de respect au prophète, donc dans le sens contraire, ils ont exagéré. En insultant les prophètes, en agressant les prophètes, en allant jusqu'à assassiner les prophètes. Comme cela a eu lieu de nombreuses fois dans le peuple de Banu Israël. Et sans aucun doute, tout cela rentre dans la mécréance. Et voici que les musulmans, comme à leur habitude, sont dans le juste milieu. Nous disons, de tel prophète ou de tel autre, wa abdun la yu'bad wa rasul la yukathab. Lisa naqul abdullah wa rasul. Nous sommes dans le juste milieu, bihamdillah et azza wa jal. Nous disons, ce sont des serviteurs, des créatures d'Allah, nous les adorons pas. Mais ce sont des messagers, on ne les dément pas. Voici le juste milieu. Abdu wa rasul. Et celui qui dément un seul parmi les prophètes aura mécru à l'ensemble des prophètes. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran, kadhabat qawm Nuh al-mursalin. Le peuple de Nuh a démenti ou a mécru au message, au pluriel. Pourtant, Nuh, c'est le premier messager aux gens de la terre. Mais on a dit qu'ils ont mécru, ou ils ont démenti l'ensemble des messagers. Car celui qui refuse d'accepter un seul d'entre eux aura refusé l'ensemble. L'avant-dernière mas'ala dans l'introduction. Ma ta'amuluna bil-israiliyat. Ma yusamma bil-israiliyat. Quelle est la considération que nous devons avoir en ce qui concerne les contes de Banu Israël ou les récits de Banu Israël qu'on trouve dans les livres passés? Premièrement, on ne lit pas ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les autres livres car ils ont été falsifiés. On doit prendre que le Coran. Mais s'il nous parvient certains récits, quels comportement nous devons avoir face à cela? Les savants disent que il y a trois points. Le premier point, ma jaa ou usbit fi shar'ina, fanaqbaluhu wa na'khudhu min shar'ina. Premièrement, ce qui a été confirmé et affirmé par notre livre, le Coran, et par notre législation. On l'accepte et on le prend de notre législation. Voilà. On ne va pas chercher ailleurs. On le prend de notre législation. Deuxièmement, ma jaa khilafuhu fi shar'ina, fanaruddu. Deuxièmement, ce qui a été démenti, les informations qui ont été démenties par notre législation, par notre livre, alors on le rejette. Par exemple, si quelqu'un vient et te dit que dans notre législation, on trouve que Allah a un enfant et c'est Isa. On dit, qala Allah, lam yalid wa lam yulad. Donc on réfute cela, car dans notre livre, il y a le contraire. Et il y a la réfutation de ça. Troisièmement, les informations qui nous parviennent, où on ne trouve ni dans notre livre, la confirmation, ni la réfutation. Comment se positionne alors dans cette situation? Ni on affirme, ni on rejette. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hadith an Bani Israël. Il n'y a pas de mal à citer les histoires de Bani Israël. C'est dans ce cas-là. Et pour conclure, ma huwa al-farq bayna an-nabi wa ar-rasul. La grande question qui vient souvent. Quelle est la différence entre un prophète et entre un message? Quelle est la différence entre un prophète et entre un message? Beaucoup de paroles ont été citées. Certains ont dit le prophète reçoit la révélation mais n'a pas l'ordre de la transmettre et de faire da'wah.
Alors que le messager reçoit la révélation, il a l'ordre de faire da'wah. Cette parole est faible. Cette parole est faible. Car si l'homme qui a de la science a l'obligation de la transmettre, que dire d'un prophète? Et Allah Azza wa Jalla nous montre que les prophètes également sont envoyés. La deuxième parole qui vient souvent est que le prophète vient à son peuple avec la législation de celui qui est avant lui, comme pour revivifier, alors que le messager vient avec un nouveau message. Alors que le messager vient avec un nouveau message. Une des paroles les plus fortes est de dire Ar-Rasoul yub'ath ila qawmin mukhalifina lah. Wal-Nabi yub'ath ila qawmin muwafiqina lahum fil usul. Ay mu'minin. Faya'ati wa yujaddilu lahum dinahum wa yudhakkiruhum. Donc, une des meilleures différences qui a été citée par les savants est de dire que le prophète reçoit la révélation, ou bien que le prophète, on l'envoie à un peuple qui n'est pas d'accord avec lui, qui est dans la mécréance. Alors que le prophète, lui, on l'envoie à un peuple qui est d'accord avec lui à la base, ce sont des croyants. Mais il vient pour la rappeler le droit d'Allah et pour les éloigner de sa désobéissance. Donc le messager est envoyé à un peuple qui n'est pas d'accord avec lui, alors que le prophète est envoyé à un peuple qui est d'accord avec lui. C'est pour ça que Banu Israël, ils ont lu, par exemple, le messager Moussa alayhi salam, mais la plupart d'entre eux sont des prophètes. C'est-à-dire qu'ils viennent pour revivifier ou pour rappeler le message de Moussa alayhi salam. Ils ne viennent pas avec une nouvelle législation. Non, ils viennent appeler les gens à sortir des péchés. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a été envoyé un peuple mécréant qui adorait les idoles et autres. Donc ça, c'est probablement une des différences les plus apparentes. Wallahu a'lam. ثم بعد ذلك بدء الخلق. Le premier chapitre, après cette introduction, c'est le commencement de la création. On ne peut pas parler de Adam alayhi salam sans évoquer ce point-là. أخرج الإمام البخاري من حديث عمران من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جئناك نسألك عن هذا الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه وفي رواية غيره وفي رواية قبله وكان عرشه على الماء وكذب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. Dans un hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imran radiallahu anhu dit, des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, nous sommes venus pour t'interroger sur cet homme, sur cette chose, la création. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allah était alors qu'il n'y avait rien en lui. Alors Allah subhanahu était alors qu'il n'y avait rien avec lui. Et dans une version, il n'y avait rien avant lui. Dans une autre version, il n'y avait rien autre que lui. Et son trône était sur lui. Il a inscrit toutes choses et a créé les cieux et la terre. اختلف أهل العلم فيما خلق أولا. العرش أم القلم. Les savants ont divergé. Quelle fut la première création? Le trône ou bien la plume par laquelle on a écrit le dessin? L'avis le plus plausible, le plus juste est de dire que c'est le trône, la première créature. Car lorsqu'on a écrit le dessin, on a mis tout cela dans un livre, voyez, qui se trouve auprès d'Allah au-dessus du trône. Et aussi on voit dans les textes que lorsqu'on parle du qalam, par moment on trouve que on cite aussi le trône. On cite aussi le trône, c'est la preuve qu'il a été créé avant.
القلم. En ce qui concerne le hadith, awwal, ma khalaq Allah al-qalam, awwal, notre riwaya awwala, on ne veut pas dire que c'est la première créature al-qalam. On veut dire que dès qu'Allah a créé al-qalam, il lui a dit uktub. Ou bien notre explication, la première plume qui a été créée parmi les plumes. Car il y a plusieurs plumes, il y a la plume qui écrit le dessin et d'autres, comme ce qui est dans les mains, là, entre les mains des anges. Taïb. Dans le hadith d'Abu Huraira, إن الله خلق السماوات وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. Taïb, Allah Azza wa Jal a créé les cieux et ce qu'il y a entre les deux en six jours. Puis, s'est élevé au-dessus de son trône. Le septième jour. Contrairement à ce qu'ont prétendu les chrétiens, ils ont dit, Ta'ala Allah an dhalik, que Allah le septième jour, yani on a du mal même à le dire. Allah, al-fitra ta'ba dhalik. Al-fitra ta'tarfud dhalik. Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé les cieux et la terre, après avoir tout créé, il s'est reposé. A'oudhu billahi minash shaytan. Ils adorent donc un Dieu qui se repose. Et nous adorons un Dieu qui est parfait, qui n'a aucune faiblesse, aucun manquement, qui a les noms les plus parfaits, les attributs les plus complets. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est ni sujet au sommeil, ni à la somnolence. Wa lam ya'ya. Wa lam yat'ab. Il ne se fatigue pas. Subhanahu wa ta'ala. Wa al-qawi al-aziz. C'est le puissant et le fort. Khalaqa turbata yawm al-sabt. والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والشر وعند وفي رواية مسلم المكروه يعني مثل الأمراض والأسقام يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة بعد العصر أو من النهار بعد العصر. Donc dans le hadith, on nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre le 7 Mada samedi, les montagnes dimanche, les arbres lundi, le mal, dans la version d'Imam Muslim, les choses détestables, c'est-à-dire comme les maladies, voyez, Mada le mardi, la lumière le mercredi et tout ce qui est sur la terre, les animaux ainsi de suite, Mada le jeudi, et il a créé Adam le vendredi. Le vendredi après l'Asr. Dans la journée après l'Asr. La base de ce hadith est dans Sahih Muslim et l'ajout a été jugé comme étant bon par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. جول إسناده الإمام الألباني رحمه الله. Certains se sont posé la question pourquoi tout cela en six jours alors qu'Allah Azza wa Jal est omnipotent, il a la force parfaite et aurait pu tout créer avec une parole. Et certains parmi les exégètes du Coran ont dit, et d'autres parmi les savants ont dit, أراد الله سبحانه وتعالى ممن شاهد ملكوت هذا الملكوت أن يعرف أن لا بد من التدرج في الأمور العظام والإتقان. Certains savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal a voulu enseigner à ses serviteurs, lorsqu'ils verront la grandeur et le caractère parfait de cette création, que lorsqu'on entreprend une grande chose qui a de l'importance, il nous faut avancer graduellement afin de parfaire notre travail. Afin de parfaire notre travail. Wallahu a'lam. Comme a dit Ibn Athaymin, on ne sait pas la sagesse en réalité. Khalqu Adam. Donc on tire de ces hadiths et d'autres qu'Allah Azza wa Jalla a créé Adam quel jour? Un vendredi. À quel moment? Ba'd al-Asr. À la fin de la journée, Ba'd al-Asr. Allah nous dit dans le Coran, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
نعم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة nous informe qu'il a dit aux anges qu'il allait créer Adam عليه السلام. Coran en français en arabe, ça c'est un Coran en français, du moins une traduction en français. Oui, prêt. Taïe. Pour vous éviter la bassesse de mes traductions, je vais prendre ce livre. Donc, puis Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran du début de la création, celle de Adam alayhi salam. Allah nous dit: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais installer un représentant sur la terre. Donc, il a informé les anges de la création de Adam alayhi salam. قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Les anges ont répondu: vas-tu établir quelqu'un qui fera régner le mal et répandra le sang alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges? Les anges se sont étonnés et ont demandé à Allah Azza wa Jalla, pas pour se mettre devant son décret ni par jalousie envers Adam alayhi salam qui sera créé. Mais ils n'ont pas compris la sagesse de cela. Ils ont juste voulu que Allah subhanahu wa ta'ala les informe de cela. Comment est-ce qu'ils ont su que la descendance de Adam allait semer des désordres sur la terre et répandre le sang? Certains savants ont dit car les djinns avaient été créés avant les hommes, ça c'est dans le Coran, mais qu'ils étaient sur terre et ont semé le désordre. Donc, ils se sont dit que les hommes allaient faire la même chose. On tire de cela, comme a dit Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, fi anna al-mala'ikata la yuhibbuna al-fasad. Subhanallah. On tire de cela que les anges détestent le désordre. On tire de cela que les anges détestent le désordre. Et donc, qalu hadha ala sabil al-istifham wa al-istikshaf 'an al-hikmah la 'ala wajh al-mu'arada. ولا تنقصا بآدم. طيب. Et dans le bidaya wa nihaya, c'était la parole de Qatada, comme quoi yani, les djinns avaient précédé les hommes et ceux qui ont semé le désordre, donc les anges ont pensé que les hommes allaient faire la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit wala nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, alors qu'on proclame tes louanges? Yani, dans le sens, si tu les crées pour être adoré, tu vas le créer pour que tu sois adoré, nous, nous t'adorons sans jamais nous fatiguer. Et on a d'autres buts que cela. Proclamer ta loi et ton rappel. Voyez. Et ils ne désobéissent jamais Allah subhanahu wa ta'ala comme il le dit dans le Coran. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'una ma yu'marun. Et dans le Coran, la ya'asuna. Donc ils ne se lassent jamais. Deux jours comme de nuit, ils font qu'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu: قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Yani la sagesse de cela. Et que de cette descendance, il y aura des prophètes et des messagers et des gens. Il y aura la révélation des livres et ainsi de suite. Dans le Bidaya wa Nihaya, la parole d'Ibn Mas'ud est citée: Ba'ath Allah Jibril ila al-ard liya'tiya bi tinatin ay bi shay'in min al-ard fasta'adhat minhu al-ard qalat a'udhu billahi minka an tunqisani aw tashiba.
فرجع جبريل عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى وسأله الله سبحانه وتعالى وهو أعلم، قال لم تأتي بالأرض؟ فقال جبريل استعاذت بك مني فتركتها، ثم بعث الله ميكائيل ففعل مثل ما فعل جبريل وقال مثل ما قال جبريل، ثم بعث ملك الموت فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقصني أو تشينني. طيب هكذا. فقال ملك الموت إن أمر ربي أحق بتنفيذه. فرجع ملك الموت إلى الله فسأله الله سبحانه وتعالى أنت لم ترحم الأرض؟ فقال رأيت أمرك أحق بتنفيذه. فقال له الله سبحانه وتعالى أنت تصلح لقبض أرواحي ولدي. سبحان الله. ابن مسعود رضي الله عنه raconte et nous dit qu'Allah a envoyé Jibril. Lorsqu'il a voulu créer Adam, il a envoyé Jibril sur la terre pour prendre de la terre. Voyez, Jibril est venu sur la terre et la terre a cherché protection, la protection d'Allah contre Jibril afin qu'il ne prenne pas d'elle, ni qu'il ne l'abîme. Alors Jibril a.s. l'a délaissé et remonté vers Allah. Allah lui a dit, alors qu'il sait mieux, tu n'as pas pris de la terre. Il a dit à Allah, a cherché protection près de toi, alors je lui ai accordé cette protection. Puis Allah a envoyé Mikaïl. Mikaïl est venu, a voulu prendre de la terre, la terre a cherché protection auprès d'Allah contre Mikaïl, qu'elle l'a laissé et n'a pas osé prendre de la terre. Il est remonté vers Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, tu n'as pas ramené de la terre. Il lui a dit, Allah a cherché protection auprès de toi contre moi, alors je l'ai délaissé. Puis Allah a envoyé l'ange de la mort. Allah a envoyé l'ange de la mort. L'ange de la mort est venu, la terre a dit la même chose, cherche protection auprès d'Allah contre toi, afin que tu ne prennes rien de moi, ni que tu aies, que tu afin que tu ne m'abîmes pas. L'ange de la mort a dit, l'ordre de mon Seigneur est plus à même d'être mis en pratique. Et il n'a pas pris juste d'un endroit, il a pris de plusieurs endroits. Puis il est remonté à Allah Azza wa Jalla, lui a demandé, bien qu'il a la science par contre. Tu n'as pas fait miséricorde à cette terre. L'ange de la mort a répondu, j'ai vu que ton ordre était plus à même d'être mis en pratique. Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, lui a dit, toi, tu es prédisposé à récupérer l'âme de des enfants de celui qui sera créé. L'ange de la mort, il n'a pas eu de rachma pour la terre. De la même façon, lorsqu'il vient récupérer notre âme, il ne fait pas de distinction entre le malade et celui qui est en bonne santé, entre l'enfant, le nouveau. Il n'y a pas de distinction auprès de Malakul Moum. Il reçoit l'ordre d'Allah, il vient récupérer l'âme. Tout comme il a pris cette terre sans faire Ya'ani, Mada, sans plus tarder. Et sans Mada, revenir auprès d'Allah Azza wa Jal après avoir entendu l'invocation de la terre. Certains savants ont dit que ce athar a le hukm de rafa, yani que Ibn Mas'ud n'a pas pu dire ça de son propre chef. Donc c'est sûr qu'il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Adam a été créé de quoi? De terre. Un vendredi. Faites le lien entre toutes les informations qui passent. Et prenez une feuille sur laquelle vous écrivez que cela. En dehors du mot, vous écrivez que les informations. Par exemple, son nom c'est Adam. A été créé un vendredi. De quoi? De terre. Et toutes les informations qui vont venir. Ainsi, vous allez avoir, il y a un résumé sur une feuille. Barakallahu. Et c'est de cela qu'on lui a donné le nom de Adam. Pourquoi? Parce que c'est pris de Adin al-Ard, la surface de la terre. C'est pour ça qu'on l'a appelé Adam. Alayhi salam, comme l'ont dit certains sahabes. Et Allah dit dans le Coran, Minha khalaqnakum. C'est d'elle que nous avons créé, c'est-à-dire de la terre. Wa fiha nu'idukum. Et c'est vers elle que se fera votre retour. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et c'est d'elle que nous vous ferons sortir une autre fois, c'est-à-dire la résurrection. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a tiré de cela une faïda, une information très subtile. Il nous dit
dans le fait que Adam alayhi salam ait été créé de terre, il y a une des plus grandes preuves sur la résurrection. Sur la résurrection. Qu'on va revenir vers Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que Adam a été pris de terre. Ça, c'est de terre, à la base. Et lorsque nous mourrons, nous allons dans la terre. Et c'est de celle-ci qu'Allah Azza wa Jalla nous fera sortir à nouveau. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وهكذا. Dans un autre hadith, حديث أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم نجي Allah a créé Adam d'une poignée de terre qu'il a pris. Donc, les fils d'Adam sont différents. Pourquoi? Parce que la terre, elle est différente. Hein? Donc, parmi eux, il y a le blanc, il y a le rouge, il y a le noir et ceux qui sont entre les deux. Il y a celui qui est bon, celui qui est mauvais, celui qui est doux, celui qui est dur, et ainsi de suite. Tout comme la terre est différente, ben, les hommes seront également, ou sont également, différents. Et dans le hadith de Anas dans Sahih Muslim, لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء. Donc voici, Adam a été créé. Mais on ne lui a pas insufflé directement l'âme. Adam a été créé, mais on ne lui a pas insufflé directement l'âme. Donc il a été laissé comme cela au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque Allah a façonné Adam au paradis, il l'a laissé le temps qu'il a voulu, donc sans son âme. فَجَعَلَ إِبْلِيسَ يَطُوفُ بِهِ يَنْظُرُ مَعَهُ. Alors Iblis, lorsqu'il a vu cette nouvelle créature, est venu, il faisait le tour de lui, il regardait, qu'est-ce que c'est là? D'accord. لما راه أجوف, lorsqu'il a vu qu'il était vide à l'intérieur, عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. Il a su qu'Allah avait créé une créature qui ne pourrait pas se retenir. L'imam al-Nawawi a expliqué ce hadith en disant, c'est-à-dire devant les passions et devant les tentations, il sera sujet à l'erreur. Et dans le Jami' al-Imam al-Tirmidhi, un hadith que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala qualifie de sahih, dit خلق الله آدم ونفخ فيه الروح فعطس فقال الحمد لله فقال له الله يرحمك الله يا آدم. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, donc après il l'a créé, plus tard il lui a mis une âme. Il lui a mis une âme. Adam alayhi salam a éternué et a dit Alhamdulillah. Donc la première parole de l'homme, c'est quoi? Alhamdulillah. La première parole du Coran, c'est quoi? Alhamdulillah. La parole des anges du Jannah, c'est quoi? Alhamdulillah. Wa akhiru da'wa alhamdulillah. Tayyib. Il a éternué et a dit Alhamdulillah. Puis Allah Azza wa Jalla lui a dit qu'Allah te fasse miséricorde ou Adam. Dans un autre hadith, il est parti, Allah l'a envoyé aux anges afin qu'ils les saluent et qu'ils écoutent ce qu'ils diront, et cela sera le salut de sa descendance. Il est parti, il leur a dit assalamu alaykum, et ils lui ont répondu wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ou autre. Et tu t'étonnes au jour d'aujourd'hui de voir des musulmans se croisent dans la rue. Wallah, ça c'est une chose, et Ali nastaghrib minha jiddan. Hein? Ils ont honte de se passer le salam parce qu'ils sont vus de non-musulmans. Hein? Ou bien l'un rentre dans l'ascenseur, l'autre est dans l'ascenseur, mais il n'y a pas qu'un musulman, il y a autre personne. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit bonjour. Ça? Bonsoir. Et il n'ose pas commencer par le salam, le tahiyya que Allah Azza wa Jalla a choisi pour eux. Wallah, quelle différence il y a entre assalamu alaykum et bonjour. Assalam, mais c'est une dua, c'est un qawl azim. Tu dis assalamu alaykum à ton frère, t'as dit hasan. Il répond alaykum assalam, il y en a 10. Il répond alaykum assalam wa rahmatullah, il y en a 20.
Il répond « Alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Il en apprend. Regarde toutes les hasanat que perdent ceux qui sont en dispute, ceux qui ne se passent pas le salam. Ça, bien au contraire, ils prennent des péchés. Ils prennent des péchés, wallahu musta'an. Donc le salam, c'est muhim jiddan. As-salam, sabab mahabba. C'est la cause pour qu'il y ait le mahabba entre nous et pour entrer dans le jannah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyant. Et aucun d'entre vous ne sera croyant tant qu'il vous ne serez pas croyant tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vais-je pas vous annoncer une chose si vous la mettez en pratique, vous vous aimerez les uns les autres. Répandez le salam entre vous. Allah, c'est ça, c'est facile. Assalamu alaikum. Tu passes le salam. Tu rentres dans le masjid, tu passes le salam. Tu sors du masjid aussi, tu passes le salam. Ça, c'est une sunnah qui est délaissée. Ça, c'est une sunnah qui est délaissée. Lorsque tu quittes les gens, tu leur repasses le salam. Mais tu commences pas at-tahiyya avec assalam pour un kafir. Tu commences pas at-tahiyya pour un kafir. Ça, c'est un muslim. Et c'est wajib si quelqu'un te passe le salam que tu lui répondes. Barakallahu fikum. Mais lorsque vous rentrez chez vous, passez le salam. C'est une cause de risque, c'est une cause d'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Tu rentres chez toi chaque jour, tu dis assalamu alaikum. C'est une cause pour qu'Allah soit satisfait de toi, comme c'est venu dans un hadith. Tu rentres, tu vois tes parents, tu leur passes le salam, tu les embrasses. Tu rentres chez toi, tu trouves ton épouse, tes enfants, tu leur passes le salam. Et tu leur apprends ça depuis le plus jeune âge. Et lorsque tu as des invités, tu apprends tes enfants à les accueillir et leur passer le salam. Wa hakada, assalam lahu sha'un azim. Donc on a insufflé l'âme à Adam alayhi salam. Khalaqa Allah Adam wa nafakha fihi ruh. Et dans le verset wa nafakhtu fihi min ruhi. طيب. Wa idha sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Donc Allah Azza wa Jalla lui a insufflé son âme. Ar-ruh udhifat ila Allah Azza wa Jalla. Idafatu at-tashrif wa at-takrim. La idafatu sifa ila mawsufi. Donc, on a dit l'âme d'Allah. Pourquoi? C'est pour montrer la valeur de cette âme et la noblesse de cette âme qui sera insufflée à Adam. Comme on dit quoi par exemple? Qu'on a annexe à Allah. Comment on appelle l'endroit dans lequel nous sommes? Baytu. Baytullah. On a annexé cette maison-là, cette demeure-là à Allah. Pourquoi? Pour montrer la noblesse de ce lieu. Comment est-ce qu'on appelle la chamelle de Saleh? Alayhi salam. Naqatullah, la chamelle d'Allah. Pourquoi? Pour montrer sa noblesse et sa particularité. Comment on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah et wa kada, barakallahu. Par contre, quand nous disons Yadullah, Kalamullah, là on ne parle pas d'une création. Ça c'est Idafatus Sifa et la Mansoufi. On parle ici d'annexer l'attribut d'Allah à son propriété, la parole d'Allah. Ça ne veut pas dire que le Coran est créé, non. Ou bien Yadullah, les mains d'Allah. Ici on ne parle pas de créature, on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut bien faire la différence entre eux, ces deux annexions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam de terre. Donc, il n'a ni père ni mère. Ça, wa hadha amrun azim. Et ça, c'est une chose, yani azim jiddan, qui est immense. Les créatures se divisent parmi les gens. Il y a ceux qui ont été créés sans père ni mère. C'est qui? Hein? Comment tu t'appelles? Adam, Allah s'éloigne. Taïr. Il y a parmi les gens ceux qui ont été créés d'une mère sans père. C'est qui? Isa alayhi salam. Parmi les créatures, et prenez l'habitude de ne pas répondre avant qu'on vous interroge, peut-être que je vais interroger une personne tout particulièrement. Parmi les créatures, il y a ceux qui ont été créés d'un homme, mais pas de mère et d'une femme. Celui qui a la réponse, il lève la main. Je peux
peux pas t'interroger parce que t'as pas la jinsa du talib allongé. Tu peux pas donner la parole à quelqu'un qui est allongé dans le dar, sauf celui qui est malade. Ça, c'est la même. Faïd. Qui a la réponse? Ceux qui ont la réponse, ils lèvent la main. Faïd. Adam. Pas la réponse? Faïd. Tu vas la voir, inshallah. Salim, t'as la réponse? Non, nous on a été créé que d'un homme. Non, on a été créé d'un homme et d'une femme. Ça, c'est la dernière catégorie. La dernière catégorie, c'est tout le monde, pratiquement. La dernière catégorie, c'est quoi? Être créé de mada, d'un homme et d'une femme. Ça, ça c'est kulluna. Là, je veux d'un homme, mais sans femme. عندك حواء احسنت جزاك الله خير امنا حواء الا يتخذوا حواء دو ادم ها avant de parler de la côte ça on va le dire à la fin comme ça on est sûr qu'on n'a pas de problème avec les femmes طيب وان لم تحضر الام حفظها الله même si j'ai pas emmené ma mère, mais rien, on va pas ramener des problèmes pendant une journée de Ramadan. Donc Hawa a été créé de Adam alayhi salam. Ensuite, après cela, akhdhul mithaq. Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de toute la descendance de Adam sur le Tawhid. Donc, comme cela est écrit en Sourate Al-A'raf, le verset 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de Adam, de toute sa descendance, en faisant sortir de ses reins tout ce qu'il allait avoir comme descendance. Allah dit dans le Coran, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins du fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'avons pas fait attention. Donc Allah Azza wa Jalla a pris l'engagement pour nous tous, de nous tous, qu'on devait adorer que lui seul sans associé. Quelqu'un pourrait dire, mais je ne m'en souviens pas. Ça, qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier là? Hein? C'est quoi le titre de notre cours? Ahkam al-Siyam, Fiqh Ramadan, c'est quoi? Al-Anbiya. Et c'est pour cela qu'on a envoyé les prophètes et les messagers qui se sont succédés pour nous rappeler cela. Voilà, pour nous rappeler cela. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a créés. Et c'est la chose la plus importante. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam le nom de toutes choses. وعلم آدم الأسماء كلها. Les savants divergent. Est-ce qu'ils lui ont enseigné la base de chaque nom, ou bien est-ce qu'il connaissait tout, tous les noms? Voyez, il y a une divergence sur cela. Ibn Abbas, Ikrima, Mujahid et d'autres, comme a cité l'imam al-Qurtubi ou un autre dans son tafsir, qu'ils ont dit qu'ils lui ont enseigné le nom de toutes choses. Le nom de toutes choses. ثم عرضهم على الملائكة. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a demandé aux anges de répondre à cette question. طيب, quel est le nom de ces choses? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب,
قال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Faites-moi connaître les noms de tous ces êtres pour prouver que vous êtes plus méritant qu'Adam, pour prouver que vous êtes véridique. Prouvez que vous êtes véridique. Ils ont répondu Subhanak. Subhanak, yani tu es purifié, tu es éloigné, exempté. Du fait que quelqu'un pourra avoir une connaissance autre que ce que toi tu lui as enseigné, ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. أن يحيط أحد بعلمك بدون إذنك وتعليمك إياه. Comme dans le verset dans l'ayat al-Kursi, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Puis Allah subhanahu wa ta'ala demande à Adam. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Après leur parole, gloire à toi, nous ne savons rien d'autre que ce que tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné, tu es en vérité l'omniscient, le sage. Allah dit alors, ô Adam, fais-leur connaître le nom de ces choses. Donc Adam a pu citer toutes ces choses. À ce moment-là, les anges ont vu la valeur de Adam alayhi salam encore plus. Et lorsque Adam en eut instruit les anges, Allah ajouta, ne vous avais-je pas averti que je connais les secrets des cieux et de la terre. Et ainsi que ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Les savants ont divergé sur ce qui a été caché ici et divulgué. Ce qui a été divulgué, c'est leur parole. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Tayyib, est-ce que tu vas mettre sur la terre des gens qui vont semer le désordre et faire couler le sang? Est-ce que tu vas nahnu sabbihu bihamdika wa nuqaddis sulak? Ça c'est la chose qui apparaît. Wa ma kuntum taktumun, ce que vous cachez, c'est ce qu'a caché en lui Iblis la'ana. Comme haine contre Adam et contre sa descendance, et comme jalousie, et comme mépris, et comme orgueil. C'est ça la chose qu'Allah Azza wa Jalla a su qui a été caché. D'autres ont dit ce qui est apparent et ce qui est caché. De cela on tire une grande faïda. C'est que celui qui ne sait pas, il dit Allahu A'lam, ou bien il dit La Adri, wa la yunqisu dhalika min qadri shay'a abada. Il dit je ne sais pas et cela ne diminue en rien sa valeur. N'avez-vous pas vu la parole des anges ici? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nous n'avons aucune science sauf ce que tu nous as enseigné. Et dans le hadith Jibril, أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل عليه السلام le meilleur messager parmi les anges qui pose la question, meilleur messager parmi les hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci lui répond, celui à qui tu t'adresses n'a pas plus de science que celui qui l'interroge. Yani Jibril alayhi salam ne sait pas, le prophète Mohammed sallam ne sait pas, et à la fin du hadith dans les meilleurs hommes, Omar radiallahu anhu qui dit Allah rasoul alayhi wa sallam, c'est tu qui était cet homme Allah Rasul wa Alam. Donc quand tu ne sais pas une chose, dis Allahu A'lam. Même si tu es le plus grand savant et que tu as un millier d'élèves devant toi, tu n'as pas à avoir honte de dire Allahu A'lam. Dis Allahu A'lam. Ou bien si tes enfants te posent une question, dis Allahu A'lam. On va poser la question. Tayyib. Et vous connaissez tous la qissa de l'imam Malik, ou beaucoup d'entre vous, rahimahullah, mais avant ça la qissa de l'imam Sha'bi. On raconte que un homme est venu voir l'imam Sha'bi, rahimahullah ta'ala, des grands savants de l'islam, parmi les salafs, les plus prédécesseurs. Un homme est venu et lui a posé des questions, et il était en présence de ses élèves. Il a dit, ma adri, je ne sais pas. Laysa li fi hadhihi al-mas'ala min al-'ilm shay'a. Je n'ai aucune science dans cette question. Alors,
l'imam Al-Sha'bi rahimahullah ta'ala de ses élèves, hein, et à naître dans la gêne. Imaginez, vous avez un chéri, un savant, hein, vous êtes dans un pays musulman, avec un savant, vous étudiez auprès de lui, et un homme rentre dans le Messie, et il pose une question à notre chéri. Et le chéri dit, je ne sais pas, j'ai aucune science sur ce madame, sur quoi tu m'interroges. Et nous, on est gênés. Et on a honte. Alors l'imam Al-Sha'bi a ressenti cela de ses élèves. Ressenti une gêne. Alors il leur a demandé sur cela. Ils ont répondu Mada Anta Sheikhuna. Tu es notre Sheikh. Fa istahyayna annaka lam tujibuh. Donc on a eu honte que tu ne lui aies pas répondu à sa question. Et parfois, subhanallah, tu vois une question qui est posée à l'imam ou au cheikh ou à la personne qui fait le cours, et il ne sait pas la réponse. Alors qu'un des élèves a la réponse. Hein? Un des élèves a la réponse. Ça y est. Et Mada, alors le cheikh a répondu d'une réponse par laquelle il a éduqué ses élèves. Il leur a dit, pour cela vous avez honte, parce que je n'ai pas répondu à sa question. Subhanallah. هل استحيات الملائكة لما قالت لربه لا علم لنا إلا ما علمتنا الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال سبحان الله est-ce que les anges ont eu honte lorsqu'ils ont dit à Allah nous n'avons aucune science sauf ce que tu nous as transmis enseigné ça c'est un vers pour nous tous celui qui ne sait pas il ne parle pas le pire péché le fait de parler dans la religion d'Allah sans science le fait de répondre aux questions sans science. Et parmi les choses étonnantes, le fait de voir que dans les sciences terrestres, dans la médecine, dans la physique, dans ça et ça, personne ne parle. Sauf ceux qui ont une science dans ce domaine. Mais lorsqu'il s'agit de la religion d'Allah, de la plus grande science, alors là, je vois tout le monde répondre, l'ignorant. L'enfant, l'homme, la femme, tout le monde. Même le cas, comme Billah l'Azim, écrit des livres. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu peux rentrer dans une maktaba et tu trouves un livre de tel cas, comme Billah. Allah est Azim. Et tu trouves des fatawas, des jugements religieux, des avis juridiques de telle personne. Tu t'attends à voir chez cela, tu trouves que c'est un cas. Allah est Azim. Alors que dans la médecine, personne, déjà, il ne te faut même pas rentrer. Hein? Il ne te faut même pas rentrer. Hein? Tu restes derrière. Et toi, de toi-même, tu ne parles pas parce que ici, c'est la vie du corps. Comment est-ce que tu te permets de parler dans la vie des cœurs? C'est encore plus important. Celui qui ne sait pas, il ne parle pas. C'est le pire péché. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم. Ne suis pas ce que tu n'as pas science. Allah dit dans le Coran, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل a cité une suite d'interdits et a fini par le pire, comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, le fait de dire sur Allah ce dont vous n'avez pas de science. C'est le pire péché. Et est-ce qu'Allah est adoré? Est-ce que autre qu'Allah est adoré en dehors de lui? Si c'est à cause de l'ignorance et de ceux qui ont parlé sur Allah sans science, en disant il faut adorer Allah pour que ce soit nos intermédiaires chez Allah et ainsi de suite. Le fait de parler sur Allah sans science, c'est la cause du shirk, c'est la cause de tout le mal. Et lorsque les gens se sont éloignés de la science, les gens de science, nous sommes tombés dans beaucoup de problèmes. Regardez la fitna qu'il y a eu pour le début du jeûne. Lorsque ceux qui ne sont pas aptes ont pris et annulent les décisions religieuses. Tous les étudiants, les petits étudiants, c'est qu'on commence le jeûne par l'une de deux choses. La vision de la lune, ou bien le fait de compléter le mois Sha'ban 30 jours. Lorsque les gens se sont éloignés de la science, regardez la division qu'ont subi les musulmans. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et l'imam Malik, un homme est venu, on peut dire du Maroc ou bien de l'Andalus, d'Andalousie, et il lui a posé 40 questions. L'imam Malik a répondu qu'à 4 questions. À 4 questions, le grand imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala.
l'imam de Médine, l'imam dont le mazhab est suivi par l'Afrique, le continent de l'Afrique et d'autres. Voyez, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique, non, c'est grand imam. Et on lui a posé 40 questions et il a répondu que à 4 questions. Subhanallah. 4 questions. Vous savez ce que lui a dit l'homme? Il lui a dit « Anta Malik, ana jit min ba'id, min al-Andalus. » Il lui a dit « Je suis imam Malik, je t'ai posé 40 questions, tu me réponds à 4 questions. Je suis venu de loin. » Vous imaginez? De l'Espagne ou du Maroc jusqu'à Médine. Hein? C'est pas comme nous quand on prend l'avion et ainsi de suite, là. Et lui a dit « Je suis venu de loin et tu me réponds à 4 questions. » Que vais-je dire aux gens à mon retour? Vous savez ce que lui a répondu l'imam Malik? Il lui a répondu, tu diras aux gens que l'imam Malik a dit, je ne sais pas. Hein? Et dans une autre histoire, monte sur le mont le plus élevé. Écrit, l'imam Malik est ignorant de cela. Subhanallah. Et nous, quand nous posons une question, des fois on a honte de ne pas répondre, comment je vais faire, au cas là, ils vont penser que j'ai pas de science. C'est pas ils vont penser, sinon on n'a pas de science pour de vrai. Si seulement c'était juste leur pensée. Mais malheureusement, c'est plus proche de la vérité pour la plupart d'entre nous. Voilà, sallallahu alayhi wa sallam, jahinna wa sallam, l'amal. Voyez, Allah nous a. La plupart d'entre nous avons délaissé les études religieuses, avons délaissé la connaissance, avons délaissé l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la Sunna et l'étude de notre religion. Voyez, c'est pour cela que nous trouvons certaines mosquées où il n'y a pas une personne pour faire salat de Tarawih. Allah est agile. Combien de milliers de musulmans, il n'y en a pas un qui dit moi je vais apprendre pour aider les musulmans. Ou tiens, toi mon fils, tu vas sacrifier pour l'islam. Tu vas apprendre ta religion pour que dans ton quartier, il y ait une personne de science qui va apprendre aux gens leur religion. Et c'est pourquoi Allah les a créés. On devrait tous penser comme ça. Mais on nous a éduqué à quoi? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand plus tard? Combien est-ce que tu veux gagner? Quel travail tu vas avoir? Hein? On ne dit pas qui veut prendre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Combien d'enfants sont dans la cible? Taïb, à part Adam, waffaqahullah. Adam peut-être devenu un homme. Taïeb. Allez, très peu. Où sont la plupart de nos enfants? Et l'abou, il joue. Quand ils ne font pas de bêtises. Taïeb. Amma celui qui prend son enfant, il le ramène avec lui, forqué ou fidilillah et azza wa jal, pour qu'il prenne l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il soit des meilleures personnes. Hein? Qui secourent l'islam et les musulmans. Ça devient rare. Allah sa'al umur. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna aux anges de se prosterner devant Adam. Vous êtes fatigué, vous voulez qu'on arrête et qu'on continue demain, inshallah? Si vous ne répondez pas, c'est que la réponse elle est positive. Hein? Si vous voulez, je vous laisse, mais vous n'allez pas aller manger. Vous n'allez pas retrouver vos épouses. Donc, voyez, si les personnes âgées ne sont pas fatiguées, non, on ne peut pas faire ce qiyas-là parce qu'il est faux au jour d'aujourd'hui. J'allais dire, c'est que les jeunes ne sont pas fatigués. Mais les personnes âgées au jour d'aujourd'hui sont plus mujtahidoun que nous. Allah musta'an. Très bon, on continue un petit peu, hein. On arrête. Voyez. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils s'exécutèrent tous, à l'exception de Satan qui refusa avec orgueil et fut ainsi du nombre des infidèles. Et dans l'autre verset, فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِي مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Donc, Allah Azza wa Jalla, encore une fois de plus, montre le mérite de Adam sur les anges. On a eu plusieurs mérites. 4. Le premier, c'était quoi? Qu'Allah l'a créé de sa main. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Le deuxième,
نفخته من روح son âme. Elle a été annexée à Allah Azza wa Jal. Ça montre sa noblesse. Min bab al-fa'ida, pour ajouter à notre science, sachez qu'Allah Azza wa Jal a tout créé en disant soi, par une parole. Sauf comme c'est venu dans le hadith, quatre choses, et il y a un autre hadith encore, qui est authentique. Quelles sont ces quatre choses qu'Allah Azza wa Jal a créé de sa main? Et tout le reste, il a dit soi. La première chose, on l'a cité, c'est quoi? C'est Adam. La deuxième chose, là, pas les suivants. Où tu veux aller après la mort? Hein? Jannat al-Adn. Ça fait combien? Ça fait deux. Ça y est, troisièmement, al-Qalam. La plume. C'est quoi le quatrième? Naam. Soit c'est l'arche, soit autre chose. Il y a deux hadiths. Allah a'alim, comment les savants ont fait le jam'a. Ou bien ils ont dit que les quatre choses, laissa lil has. Donc ils se sont tous prosternés, excepté Iblis, qui a refusé de se prosterner. Fasajad, le fa là ici, dans l'éloquence de la langue arabe, ça nous montre al-fawriya. C'est-à-dire qu'Allah a ordonné et immédiatement les anges se sont soumis à son ordre. Ici on voit surat al-sijaba fil malaika. On voit la rapidité de la soumission des anges aux ordres d'Allah. Ils se sont prosternés immédiatement après avoir reçu l'ordre. Donc le croyant doit être ainsi. On tire de cela également la divergence, ou bien d'où vient la divergence chez les savants. Qui est le meilleur? Les hommes, l'homme, ou bien l'ange? C'est quoi la chose la plus noble? Ibn Adam, Salih al-Bashar, ou bien al-Malaik? De ce verset-là, certains savants ont dit, on voit ici que Adam, alayhi salam, n'est mieux que les hommes, car ils sont prosternés devant lui. Il a plusieurs paroles qu'il va venir enseigner à résumer dans le Charles Safarini, il nous dit. La première parole, c'est de dire que les anges sont meilleurs que les hommes. La deuxième parole, c'est de dire que Salih al-Bashar, les hommes sont mieux que les anges. La troisième parole, c'est le tawakkuf, le fait de dire ni l'un ni l'autre. Yani, on ne sait pas. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a fait un bon tarjih ici. Il nous dit يعني صالح البشر أفضل باعتبار النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية لماذا؟ Donc Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى nous dit les hommes du point de vue de la finalité sont meilleurs que les anges. Cela fait, c'est-à-dire quand ils vont entrer dans le Jannah, hein? Ils seront sous la plus belle apparence. Allah va les élever, les rapprocher, leur permettre de tirer jouissance du paradis. Et il se montrera à eux et ils pourront se délecter en le regardant. Donc cette situation, cette proximité d'Allah Azza wa Jal est meilleure que d'être un ange. Donc par rapport à la fin. Mais par rapport au début, les anges sont meilleurs. Car ils ne font aucun péché, ils ne font que adorer Allah Azza wa Jal. Ils ne sont pas sujets à la faute. طيب. إذن باعتبار كمال النهاية وذلك إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وتجلى لهم ربهم يستمتعون بالنظر إلى وجه الكريم. وأما الملائكة أفضل باعتبار البداية هم في الرفيق الأعلى يتفرغون في عبادة الله. طيب وهكذا. Ça c'est le sens de la parole d'Ibn Taymiyyah. Cette prosternation, est-ce que c'est une adoration à Adam? Alors qu'on sait tous qu'on doit adorer que Allah Azza wa Jal. Comment expliquer cela? Certainement pas. L'adoration ici, elle est vouée à qui? À Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Quelle est la définition de l'adoration? Hein? Quelle est la définition de l'adoration?
C'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et a vu. Comme parole et acte, que cela soit apparent ou caché. Comment reconnaître une adoration? Qu'est-ce que ça salat avec? Comment reconnaître l'adoration? Ma amar Allah, ou bih, par exemple, tout ce qu'Allah ordonne. D'accord, ici Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam ou pas? Naam, donc c'est l'adoration à Allah. Si Allah nous dit de nous prosterner devant telle ou telle chose et qu'on le fait, c'est l'adoration qui est donnée à Allah Azza wa Jalla. Comme a dit Ibn Azim, rahimallahu ta'ala, donc il n'y a pas de problème. Car l'obéissance à Allah, c'est son adoration. À partir du moment où il leur a ordonné de se prosterner devant Adam, c'est l'adoration qui est donnée à Allah. Par contre, la prosternation à Adam, c'est tahiyya, ou bien ta'zim, ou bien takrim, l'essence. C'est un honneur et une considération, ainsi de suite, mais ça n'est pas une adoration, bien sûr. Est-ce que Iblis est un ange ou bien un djinn? Les savants ont divergé sur cela. Et la réponse la plus juste est de dire que c'est un djinn, comme c'est dit dans le Coran. Kana min al-djinn. Deuxièmement, il est sorti de l'ordre de son Seigneur, alors que les anges, on a dit, la ya'asuna Allah, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ils ne désobéissent jamais à Allah, alors qu'Iblis a désobéi. Troisièmement, les anges sont créés de quoi? Nour, de lumière, alors que Iblis, lorsqu'il a refusé de se prosterner, il a prétexté quoi? Qala ana khayrun minhu, khalaqtani min. Nah, il a été créé de quoi lui? De feu. D'accord? Aussi, on a cité que Iblis avait quoi? Une dhurriya, une descendance. Une descendance. D'accord? Tout cela nous montre que Iblis ne fait pas partie des anges. Donc, illa Iblis. Passage al-Malaika, kullum illa Iblis. Comment on va expliquer cette exception? Parce qu'on a dit, ce sont tous prosternés. Les anges sont tous prosternés sauf Iblis. Alors quelqu'un pourrait dire, donc Iblis fait partie des anges. On dit non, en arabe ça s'appelle al-istithna min al-qati'. C'est l'exception qui ne fait pas partie du même genre de ceux de ceux dont l'exception a été faite. Par exemple, tu dis tous les élèves sont venus sauf l'enseignant. Est-ce que l'enseignant c'est un élève? Non. Pourquoi on a dit sauf? D'accord? Si tu dis j'ai 100 euros sauf un vêtement. D'accord? Wahakala. En arabe, cela existe. Et on va conclure sur quelques fawaïd concernant Iblis. Iblis a refusé de se prosterner. Si ce n'était pas un ange, pourquoi est-ce qu'il était avec les anges? Les savants ont dit qu'il était tellement motivé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et pieux qu'Allah l'a élevé pour l'honorer au même rang que les anges. D'accord? Et pour celui qui dirait, oui, mais s'il était avec les anges, c'est que c'est un ange. On lui répond, mais Adam a.s. était aussi avec les anges à ce moment-là. Pourtant, ça n'est pas un ange. Vous voyez, donc, il n'y a pas de preuve en cela. Il a dit, je suis mieux que lui. Pourquoi? De son point de vue, parce que Adam a été créé de terre et que lui a été créé de feu. De son point de vue, le feu est meilleur et plus fort que la terre. Pour cela que l'Hassan al-Basri a dit Awwal man qasa Iblis. Iblis. Le premier qui a fait une analogie, c'est Iblis. Sauf que cette analogie-là, c'est un qiyas fasle. Il contredit le texte, il contredit l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et regarde aujourd'hui ce qu'on appelle les penseurs. Hein? Les penseurs qui changent l'heure du Isha, les penseurs qui changent le Ramadan, les penseurs qui ramènent le Ramadan ou bien l'Eid un an en avance ou bien un mois en avance sans regarder la lune, ou bien les penseurs qui disent que la femme musulmane peut se marier avec un non-musulman, ou bien les penseurs et les penseurs et les penseurs. D'accord? Subhanallah, regardez leur ancêtre Iblis. Hein? Regardez comment il a pensé. Regardez sa pensée, elle l'a emmené où? Il était avec les anges, il était dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il s'est retrouvé où? Il était proche d'Allah, Allah l'a éloigné. Il était proche d'Allah, Allah lui a donné sa malédiction. Il était proche d'Allah, Allah Azza wa Jal l'a inscrit en enfer. Regardez, subhanallah, quand on fait devancer sa passion, sa raison devant les textes. Également, quelle est la raison pour laquelle Iblis s'est comporté ainsi? Al-hasad, la jalousie. De cela en tire la gravité d'avoir de la haine et de la jalousie dans son cœur à l'égard d'un croyant. Subhanallah.
Celui qui a donné à lui, il a donné avec sens et toute justice et sagesse. Allah a donné à Hamza. Et celui que Hamza a invoqué, c'est ton Seigneur aussi. Lève tes mains, demande-lui. Pourquoi est-ce que tu vas être jaloux de lui? Allah a donné le Coran à un tel et le fait passer pour être taraweh. Pourquoi est-ce que tu vas être jaloux? Demande Allah à Azza wa Jalla de lui permettre d'apprendre le Coran, de rester le Coran pour les croyants. Afin de faire écouter le Coran aux croyants. Allah Azza wa Jalla a donné l'imam à un tel. Allah Azza wa Jalla a donné les enfants à un tel, a donné une voiture, de l'argent. Lorsque tu te montres jaloux à l'égard des gens, c'est comme si tu disais qu'Allah avait été injuste pour l'ayyadu billah. Demande à Allah Azza wa Jalla et purifie ton cœur de cette jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'a pas le droit d'envier. Les gens sont pour deux choses. Quelqu'un à qui Allah a enseigné le Coran et le récite de jour comme de nuit, et juge avec. Le deuxième, c'est celui à qui Allah Azza wa Jalla a donné les richesses et il dépense fils à billah. Voilà dans l'islam à quoi on nous appelle. Mais la jalousie, regarde la jalousie. Elle va voir une sahira, elle va voir une sorcière, elle lui dit mon fils s'est marié, son fils s'est marié, mon fils n'est pas encore marié. Ou telle fille elle s'est mariée, alors que ma fille elle est meilleure qu'elle, fais-lui quelque chose pour que. Tel fils il a eu un travail, moi mon fils n'a pas. Et ils font du shirk, du kufr billah al-azim, et ils vont voir ces mécrans et ces menteurs de sorciers pour réceptionner le désordre sur la terre. Tout ça à cause du hasad, tout ça à cause de la jalousie. إياكم والحسد داء الأمم من قبلنا. Un poète a dit que la, comme était tenante l'affaire de la jalousie, elle anéantit la personne avant d'anéantir ses ennemis. La personne qui est jalouse, ça brûle, ça la brûle elle-même avant de brûler les autres. Subhanallah. Et le jaloux, il n'est jamais tranquille. Même quand il dort, il rêve. Ou cauchemar. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux devant les bienfaits d'Allah et les bienfaits d'Allah nous parviennent de jour comme de nuit. Alors il se repose jaloux. La personne la plus fatiguée, c'est le jaloux. Parce que même quand il ne bouge pas, son cœur il pense. Son cœur il pense à lui, mais lui il a ça. Oh non. Oh non, lui il a encore un enfant. Oh non. L'argent. Wahakada, il n'est jamais tranquille. Parce qu'il ne veut pas que Allah Azzawajal touche d'un bienfait. Il souffre comme quelqu'un qui a une braise dans la main. Il veut la jeter, mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas revenir vers Allah Azza wa Jalla chercher ses bienfaits. Il ne pense pas aux bienfaits qu'Allah lui a donnés. Il est distrait par les bienfaits des autres. Regarde ce qu'Allah t'a donné à toi avant de penser à ce qu'Allah a donné aux autres. Et montre-toi reconnaissant, ça va te distraire du bienfait des autres. Et de cela, une des plus grandes failles à conquérir, c'est l'inimité et la guerre qu'a déclaré Ash-Shaytan la'anahullah au fils d'Adam. Depuis le premier jour, avant même que Adam et son âme, Ash-Shaytan lui a déclaré la guerre et a caché dans son cœur une haine. Et au jour d'aujourd'hui, tu trouves des adorateurs de cet ennemi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Regardez celui qui sort du din et du tawhid, regardez son aql. Il adore son ennemi. Vous connaissez ça, vous? Ceux qui adorent Ash-Shaytan au jour d'aujourd'hui. Il y en a qui mettent que du noir, il y en a qui mettent que ça, il y en a qui font ça. Il y en a même qui sacrifient des gens. Ils prennent des gens et les égorgent. Ce qu'ils appellent le rituel, le mada, le crime rituel. Hein? Ça s'est répandu au Gabon et dans d'autres pays. Ils prennent des gens, ils les sacrifient pour Ash-Shaytan. Ils les mutilent dans tous les membres. Pourquoi? Parce que le sorcier lui dit, si tu veux telle chose, il faut que tu me ramènes le membre de telle personne. Ou l'organe de telle personne. Et ils le font, ces adorateurs du shaytan. Quand à la mort. Regardez jusqu'où amène le fait de suivre les pas du shaytan. Donc le musulman, il doit être intelligent. Il doit savoir quels sont les les chemins qu'emprunte shaytan pour égarer ses serviteurs. Premièrement, il essaie de te faire tomber dans le pire, le polythéisme, pour que tu sortes de l'islam et que tu sois son ami, son partisan, son suiveur et avec lui dans le dehors. S'il n'arrive pas, il te fait tomber dans le shirk, ah, ça va. Le petit polythéisme, par exemple, tu vas porter des gris-gris, des talismans, tu vas faire des causes qui n'existent pas dans l'islam, tu vas mettre une main de Fatma chez toi et ce genre de choses qui font partie du polythéisme, tu vas jurer par un autre comme moi, et ainsi de suite. S'il n'arrive pas, il va te faire tomber dans les grands péchés. Tu vas mentir, tu vas tricher, tu vas voler, tu vas commercer avec des femmes en dehors du mariage, voilà. Tu vas dormir pendant la salat, et ceci. Tu ne vas pas te lever pour les salawat, voilà. S'il n'arrive pas, il te fait tomber dans les petits péchés. Et s'il n'arrive pas, tu penses qu'il s'arrête là? Non. Il te fait perdre ton temps.
il te fait perdre ton temps. S'il n'arrive pas, il va te distraire avec des bonnes actions, mais qui sont moins bonnes que ce que tu pourrais faire. Par exemple, tu as préparé 50 euros pour faire une sadaqa. Hein? Tu as préparé 50 euros pour faire une sadaqa. Il va venir et t'insulter des mauvaises choses jusqu'à ce que tu vas dire, ah non, mon fils, mon épouse, ma mère, mon ventre, telle chose, et tu vas donner au final 5 euros. 5 euros en sadaqa, c'est avim, c'est très bien. Mais à la base, tu voulais donner combien? 50 euros. Ou bien, tu es au mesjid. Tu dis, je reste entre les deux salats pour avoir l'ajr, pour avoir telle chose, telle chose, telle chose. Tu avais la base de réviser le Coran, de faire les sirfars, des nawafil. Al-Shaytan m'a venu, tu ne vas pas sortir de la mosquée, tu vas rester dans ta grande adoration. Mais au lieu de lire le Coran, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler avec ton ami. Tu avais l'intention de lire un juz. Et au final, tu auras lu deux pages et tu auras parlé avec tes amis. Wahakada, ça rentre dans ce qu'on appelle khutuwa du shayta, mais pas du shayta. De cela, aussi on tire, parce que shayta, mada, cela on en parlera demain, il est venu sur Adam petit à petit, il ne lui a pas dit directement fais telle chose, ça c'est la suite de l'histoire, on se fera donc ses fawaïd. Demain, bi'iznillahi azza wa jal. Nous, c'est important que le musulman connaisse son ennemi. Comment te préserver du shaytan? Al-Isti'ad, cherche protection près d'Allah, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Al-Iktar min Dhikrillah, tu fais beaucoup de dhikr. Al-Tahara, le fait de rester à la wudu, le fait de fréquenter les gens de bien, le fait d'aller dans les endroits de bien, le fait de ne pas écouter le haram comme la musique, la médisance, le fait de baisser le regard, le fait de ne pas regarder les femmes, wa hakadha, le fait de beaucoup lire le Qur'an, le fait de jeûner, wa sawmu junna. Le prophète sallam nous a enseigné que le jeûne c'est une protection. Voyez, le prophète sallam nous dit même idha qara'a ibn adam as-sajda fa sajada i'tazala ash-shaytan yabki yaqul wayli umira ibn adam bis-sujud fa sajada falahu al-janna wa umirtu bis-sujud fa bayt falyanna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque on lit le Coran et qu'on passe sur un verset où il y a une prosternation et qu'on se prosterne, Al-Shaytan s'éloigne et pleure. Il pleure. Et il dit malheur à moi. Il dit malheur à moi. On a ordonné au fils d'Adam de se prosterner. Il s'est prosterné, il a gagné le paradis. Et on m'a ordonné à moi de me prosterner. Je ne me suis pas prosterné et je suis rentré en enfer. Voyez, je fais pleurer Al-Shaytan avec un pas. Avec donc l'obéissance. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis en ce jour du deuxième jour de Ramadan, qui correspond à combien? On est le 11 juillet, c'est ça, le 11 juillet 2013. Walhamdulillah alladhi bi tatim salihat wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma waffiqna fi hadha ash-shahr, Allahumma waffiqna fi hadha ash-shahr, اللهم عنا على الصيام، اللهم عنا على القيام، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا ونكون عدما إن شاء الله بخير. صلاة العصر. Ce samedi il n'y aura pas cours. Les cours sont le jeudi, le vendredi et le samedi, mais exceptionnellement ce samedi il n'y aura pas cours. D'accord, donc on reprend demain. إن شاء الله تعالى.